Bonjour, ici Jean-Philippe de la cuisine de Jean-Philippe. T'as pris du poids pendant l'hiver? Tes pantalons commencent à être serrés? Ton gilet commence à être serré? Tes bas commencent à être serrés? McDonald's t'a envoyé une carte de fête? La mascotte d'IW t'a appelé, il veut revoir son gilet? T'es genre à mettre des saucisses dans tes smoothies? Même ta grand-mère veut pas te donner une deuxième assiette? Ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Voici mes trois collations santé. Les gens me demandent souvent, Jean-Philippe, comment tu fais pour être en forme? Écoute, je m'entraîne. Pas compliqué. Je m'entraîne de 3 à 6 minutes par jour. Numéro 1. T'es pas capable d'aller à la salle de bain sans entraîner ton 2 litres de liqueur? La prochaine recette est pour toi. Gatorade santé. C'est quoi la différence entre du Gatorade et de la limonade? Le sel, les électrolytes. Quand tu t'entraînes fort comme moi, t'as besoin de récupérer. Pour faire un Gatorade maison de la fleur de sel, on met ça dans une bouteille. On ajoute le jus d'un demi-citron. On remplit ça d'eau. On ajoute une cuillère à thé de sirop d'érable. Et voilà! Gatorade maison. Pense-y la prochaine fois que tu vas avoir envie de boire un 2 litres de liqueur. Numéro 2! Popcorn. Selon une étude qui serait pertinente si les résultats étaient fondés, le popcorn, ça fait maigrir. C'est pas le popcorn qui fait engraisser au cinéma, c'est les 3/4 de tasse de margarine qu'ils mettent dessus. Pour faire du popcorn maison, tu fais chauffer une cuillère à soupe et demie d'huile dans un chaudron. Tu ajoutes quelques grains de popcorn. T'attends que ça pop. Quand ça a commencé à popper, tu ajoutes 1/4 de tasse de maïs à éclater. Ferme le couvercle, touche plus à rien. Enlève ça de là. Un petit peu de sel, un petit peu de levure nutritionnelle. Essaye pas de l'amener au cinéma parce que tu vas te faire avertir. J'ai essayé. Numéro 3! Crème glacée de banane. Tout ce qu'il faut, c'est une banane, température pièce, et des fruits surgelés, comme des mûres par exemple. On met tout ça dans le robot culinaire. Un petit peu de lait végétal. Vroom vroom, c'est prêt. Tadam, santé. C'était mes 3 collations santé. Pour plus de recettes, allez sur mon site à lacuisinedejeanphilippe.com.